Toujours dans la descente du petit Cordeuil option pont de la Bâtie. Cette fois armée, je vous rappelle qu'elle a plus de frein avant. Hein. Vas-y. Vas-y. Je me cache. Tu passes comme ça parce que j'ai qu'un. Je sais, je l'ai dit. J'arrive. Ah, voilà, après les réparations, voici Gérald. Là, c'est sans mousse. Tout en caillou. Bonjour, Robert. Eric, il manque Jacques, en sert-il. Personne derrière? Non, il y a Robert, je l'attends. Et voilà. Putain, je suis le mieux passé, personne m'a filmé. Demain. Demain, on te filmera. Je m'en fiche. C'est gentil. On rattrape le goudron pour 10 mètres et on va plonger à travers champs vers Torrambas. Et voilà la troupe. Voilà le troupeau. En avant. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, le compte est bon. Petit pont de bois, petit pont de bois. Petit pont de bois. Eric dans le départ du Piégut. Bon, c'est du déjà vu, mais avec d'autres personnes. C'est parce que ça fait partie du petit circuit de mise en jambe de ce matin. Armelle en bas. Bon, elle a pas de frein, mais c'est pas grave, ça monte. Sourire. Alors, sourire. Et voilà. Très dur la montée. C'est surtout que ça cabre. C'est ça qui fait tomber. Les jambes, ça va, mais ça cabre. Donc, faut bien se positionner sur la pointe de la selle et y a pas de souci. C'est clair. Jacques. Vicky, Gérald. Assistance électrique. Alors un peu de technique au passage. Ça y est, c'est dit. Assis sur la pointe de la chaise. Exactement ce que je viens de dire. Éviter que la roue avant décolle. Hey, respire et tais-toi. Oh. Avant de mourir. Petit bout de descente. Gaffe Armel, hein, au frein. Oh, tu tires tout droit. N'importe où, tout droit. On passe en dessous, là. Ouais, ça passe. Il y a un beau virage devant moi, là. Et il passe tranquille, tout doucement, comme t'es, c'est parfait. Regarde. Pas bien? Oui, si, c'est bien. Dans le temps, il semble que c'est, mais là... Le problème? Eh oui, le problème. Le gros atout, là. C'est un chef de défi.